Salut tout le monde, c'est Arnaud. Aujourd'hui, on va tester les coques MagSafe pour iPhone 12. On a donc la coque en silicone transparente, on a la coque en silicone classique, donc colorée, et la coque en cuir. Alors, la bonne nouvelle cette année, c'est que toutes ces coques, elles sont compatibles avec tous les modèles d'iPhone. Par là, je veux dire que les autres années, on avait par exemple l'iPhone XR ou l'iPhone 11 qui avaient uniquement les coques transparentes, voire certaines coques en silicone. Cette année, toutes les coques sont compatibles avec tous les modèles, donc on en a pour le 12 mini, pour le 12, le 12 Pro et le 12 Pro Max. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de discrimination là-dessus. Et toutes ces coques, elles ont la spécificité d'être compatibles avec MagSafe, du coup elles ont la même série d'aimants qu'on peut voir au dos de l'iPhone en lui-même avec le cercle d'aimant et donc la tige en dessous. Ça lui permettra donc d'être compatible avec les autres accessoires MagSafe comme le chargeur, le porte-carte ou alors tous les accessoires que peuvent faire les autres constructeurs. Et il y a aussi une autre chose unique avec ces coques, c'est qu'elles ont une puce NFC à l'intérieur même de la coque qui ira indiquer à l'iPhone quelle coque vous mettez dessus, et du coup vous aurez une petite animation qui sera de la même couleur que la coque, donc elle sera transparente si vous mettez une coque transparente. Là elle est rouge parce que j'ai mis une coque en silicone rouge, ou alors elle peut être marron pour une coque en cuir. Donc ça c'est assez cool maintenant, on peut se demander si c'est pas un peu trop pour une simple coque. Mais non, franchement, c'est juste trop cool. C'est un petit point assez sympa. Bon, après, vous le verrez qu'une fois quand vous mettez la coque. Donc, c'est là qu'on peut se dire que c'est un petit peu trop. Mais c'est sympa. Pour commencer, on a donc la coque transparente. Elle est cool, celle-là, pour montrer la couleur de l'iPhone que vous avez durement choisi. Mais honnêtement, vous allez voir que c'est pas ma préférée. Déjà, de par sa nature, le fait qu'elle soit transparente, on a le cercle d'aimant qui est très visible au dos. Ça c'est cool pour montrer qu'on a clairement un iPhone 12, mais honnêtement je trouve ça pas très heureux. Ça fait assez bizarre au dos, honnêtement, ça fait bon la limite l'impression d'avoir Apple Park au dos et avec une petite tige en dessous. C'est assez spécial. Aussi, contrairement aux autres coques, la partie d'en bas est pas couverte. Je sais que c'était quelque chose qui dérangeait les gens les autres années sur les coques des iPhone 11, 10S et 10. La coque était ouverte en bas, maintenant sur les coques en silicone elle est fermée. Mais pas sur la coque transparente, c'est assez dommage parce que du coup, si votre iPhone tombe et qu'il atterrit sur ce côté-là, et c'est là qu'il prendra cher. C'est un petit peu dommage. Et puis du coup, cette coque transparente, on a vu les autres années pour les autres personnes qui l'avaient, vu qu'elle existe depuis 2 ans maintenant, qu'elle a tendance à se fissurer assez facilement. Ça va pas aller au point jusqu'à casser la coque en elle-même, mais au fur et à mesure de l'enlever et de la remettre, et y a des petites fissures qui peuvent apparaître dans le plastique au niveau des points de pression. C'est assez dommage pour une coque, comme je vous l'ai dit, qui coûte vraiment très cher. Elle est à 55€ cette coque. L'avantage par contre, c'est qu'on a vu qu'au fur et à mesure que les gens l'utilisaient, c'est pas un plastique qui a tendance à jaunir. Il a tendance à rester assez transparent et assez clair. Donc c'est un signe de qualité, mais encore une fois, encore heureux pour une coque qui coûte 55€. Ensuite, on a donc la coque en silicone, et celle-là, je pense que c'est la plus populaire de toutes. Elle est disponible en plein de couleurs différentes qui sont mises à jour à chaque saison en même temps que les bracelets d'Apple Watch. Du coup, on devra en avoir bientôt des nouvelles au printemps. Il y en a aussi à l'été, à l'automne, à l'hiver. Donc ça, c'est vraiment cool. En plus, sur celle-là, le bas est couvert, donc ça assurera vraiment une protection maximale. Et l'intérieur est recouvert d'une petite microfibre très douce, donc ça évitera de rayer l'iPhone. Si vous glissez, par exemple, un grain de sable dedans, il n'ira pas se balader et rayer tout l'iPhone au passage. Donc ouais, c'est une petite coque très cool. Après, vous allez voir qu'elle n'a pas que des avantages, elle a aussi quelques problèmes, cette coque. Déjà, la qualité du plastique, ou du silicone, on va dire plutôt. Il a tendance à mal vieillir, ce silicone. Je pense que vous le savez si vous avez déjà eu une coque en silicone d'Apple. Les premiers mois, il va rester nickel, comme ça, super doux, touché et tout, vraiment super. Par contre, au bout d'un moment, il va devenir un petit peu huileux à force d'être dans les mains. Et ça ne devient pas forcément très agréable. C'est un phénomène qui a tendance à se retarder ces dernières années parce qu'Apple améliore la qualité du silicone. Mais ça arrivera toujours au bout d'un moment. Et c'est assez dommage. D'ailleurs, vu que c'est du silicone, au fur et à mesure que vous allez faire tomber votre iPhone, ce silicone aura un peu tendance à s'effriter un petit peu. Il va un petit peu partir, ça va faire des petits trous dans le silicone, mais bon, après, d'un autre côté, c'est un peu la vocation d'une coque de prendre cher à la place plutôt que le téléphone, donc il va se dégrader forcément au fur et à mesure que vous allez l'utiliser. L'avantage de ce silicone, c'est de par sa nature qui est assez souple. Quand vous allez faire tomber votre iPhone, il va super bien répartir les chocs. C'est pas aussi bien qu'une coque RhinoShield ou ce genre-là, par exemple. Mais ça protège quand même vraiment super bien par rapport à une coque, par exemple celle-là en plastique dur. Elle va pas très bien répartir les chocs, du coup, vu qu'elle se plie pas trop. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte. Et pour finir, cette coque en silicone, elle coûte exactement le même prix que la coque transparente. Donc encore une fois, 55€.
Et pour finir, on a la coque en cuir, celle-là, je pense que vous l'aurez déjà compris, mais c'est vraiment ma préférée. J'utilise tous les ans depuis qu'ils l'ont sorti avec l'iPhone 5S. Alors au début, le cuir était vraiment pas de bonne qualité, mais ça s'est vraiment amélioré avec le temps. Et maintenant, on a des coques qui sont vraiment géniales. Le cuir est vraiment super doux, et ça c'est vraiment un avantage des coques en cuir, c'est qu'elles auront pas tendance à agripper les poches des jeans quand vous les mettrez dedans, contrairement aux coques en silicone où elles vont vraiment accrocher à tous les tissus, et en plus attraper toutes les poussières au passage, donc ça c'est vraiment pas top. Là il n'y a pas ce souci là-dessus, et puis comme c'est du cuir, bah, il aura tendance à vieillir avec le temps. Ça, il y a des gens qui aiment pas, il y en a qui adorent, moi j'adore ça, ça donne vraiment une identité à la coque, ça vous montrera vraiment que c'est votre coque à vous qui va acquérir sa patine avec le temps. Et ça sera vraiment votre coque qui ressemblera à aucune autre. Et donc, contrairement aux années précédentes, le bas est maintenant couvert. Par contre, les ouvertures sont un peu moins précises que sur les coques en silicone. C'est assez contradictoire parce que sur les coques en silicone, c'est vraiment des ouvertures qui sont très précises. Donc un point pour chaque haut-parleur, pour chaque grille de haut-parleur. Par contre, là c'est un peu moins précis, ça fait un peu moins de gamme, ce qui est assez contradictoire étant donné que ces coques en cuir sont vraiment beaucoup plus chères. Mais surtout moi le gros avantage que je trouve aux coques en cuir, c'est le fait qu'elles sont des boutons en métal, contrairement aux autres coques où les boutons sont moulés directement dans la même matière que la coque. Là on a des boutons différents du reste de la coque et ils sont vraiment super agréables à utiliser, alors que par exemple sur les autres coques ça peut être un peu difficile à presser, surtout sur la coque transparente, là, au début j'ai vraiment du mal avec ça. Là franchement c'est juste nickel et ça donne vraiment une sensation haut de gamme et c'est vraiment un plaisir à utiliser. Ils sont même plus agréables que les boutons de l'iPhone en lui-même. Donc ouais franchement c'est une vraie réussite ces coques en cuir et c'est vraiment mes préférées. Mais elles sont vraiment super chères, elles sont à 65€ ces coques, donc faut pas les abîmer trop vite. Hein. Aussi un petit point que j'allais oublier de préciser, mais qui est quand même assez cool je trouve, c'est que la coque tient surtout grâce à la technologie MagSafe, donc aux aimants. Et du coup, bah, vous pouvez voir un petit peu de la couleur de votre iPhone en face avant, et ça c'est quand même assez cool avec les tranches qui brillent et tout, ça donne un petit côté haut de gamme, et vous pouvez quand même voir la couleur de votre iPhone. Au niveau de la protection en elle-même, un truc que j'ai toujours apprécié avec les coques Apple, c'est que la coque déborde un petit peu sur la façade avant de l'iPhone, ce qui fait que quand vous allez poser l'iPhone côté écran, contre le bureau par exemple, et ben l'iPhone sera jamais vraiment en contact avec la surface et ça vous permettra d'éviter quand même pas mal de rayures. En tout cas voilà, j'espère que ce petit test très rapide des coques d'Apple pour l'iPhone 12 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions sur ces coques, bah, posez-moi en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut!